Nouvelle vidéo les gars, l'ISO est dans la sauce. Alors je rigole pas parce que ça me fait plaisir que quelqu'un soit dans la sauce. Ça fait jamais plaisir d'être dans la sauce. Non, je rigole plutôt parce que je pense à tous les cheveux bleus qui là, ils doivent être en panique. Ils doivent se dire mais comment on va faire? Parce que eux, ils se basent toujours sur Believe All Women. Là du coup, il n'y a que des femmes qui sont impliquées. Donc comment on fait? Donc les gars, ça va être... Réunion les gars! Bon Gérard, c'est quoi le problème? Bon, le problème c'est que là, il n'y a que des femmes qui sont impliquées dans le truc, il n'y a personne qui... oui, et alors, c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'il n'y a pas de méchants quoi. Il n'y a pas de gars. Comment on fait? Ah, les gars, vous allez faire comment alors maintenant? Heureusement qu'il n'y a pas de technicien qui passait dans les parages, sinon on aurait dit c'est lui! C'est lui voilà! Le patriarcat! Ah, c'est lui! C'est lui le problème, c'est à cause de lui! Donc alors, l'ISO, elle est dans la sauce. Alors, j'ai entendu une histoire de vagin, banane. Je te laisse libre à ton expression créative. Donc, je vais quand même te lire ce qu'il en est. Mais quand même, cette histoire de banane, vagin, déjà, quand tu y penses comme ça, ça n'a pas l'air très glamour. Hein, avec les gens qui ont participé, je veux dire. T'imagines l'ISO, vagin, banane, pas de commentaire. Donc alors, le Journal du Québec. Journal de Québec, excusez-nous les gars, ils sont plus français que français les gars. Alors, l'ISO, qui a eu 4 Grammy Awards, est célèbre depuis la sortie de son album Cause I Love You en 2019. La chanteuse de 35 ans connue pour son discours d'acceptation à la diversité corporelle, un body positif, et son soutien à la communauté LGBTQQQ, aurait aussi créé un environnement de travail hostile, affirment ses 3 employés. Une danseuse aurait été virée quelques jours après avoir pris la défense de ses collègues que l'ISO accusait de boire avant de monter sur scène. On voit pas trop le problème, hein, du coup, elle a comme raison. Hein. La veille, la vedette avait soumis ses danseuses à une éreinte audition de 12 heures au terme de laquelle elle menaçait de congédier les participantes qui ne satisfaisaient pas ses critères selon la poursuite. Ça me paraît qu'elle cherche l'excellence. Jusque là, je vois pas le problème toujours. Une autre danseuse affirme avoir été renvoyée parce qu'elle a enregistré une réunion avec son téléphone cellulaire. Un geste qui a mis en colère l'ISO. Et elle a incité à confisquer tous les téléphones des danseurs. Normal. Une danseuse aurait aussi été blâmée pour avoir pris du poids. Des allégations du harcèlement racial et religieux visent aussi l'ISO. Ils ont même mis des nouveaux trucs qu'on connaissait pas. Et la capitaine de sa troupe aussi... va prendre cher, tout simplement. Par contre, je vois pas que ce soit de banane, tout ça, fruits et légumes, c'est important. 5 fruits et légumes, les gars. Je vois pas ça. Bon, c'est pas bien grave. Mais je sais que j'avais vu quelque part. Bref, anyway. Donc alors, du coup, je poursuis parce qu'il nous faut plus de trucs parce que je vais donner mon avis quand même, tu vois. Au début, je comptais pas en parler. J'ai dit non, faut pas en parler seulement. Faut parler de tout pour être juste. Voilà, ok. Et après, je donnerai mon avis sur son accusation. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je... Voilà, bref. Ensuite, elle a répondu du coup. Elle a répondu, l'ISO, elle a dit « Je ne suis pas là pour être considérée comme une victime, mais je sais aussi que je ne suis pas la méchante que les gens et les médias m'ont dépeint ces derniers jours. Je suis très ouverte en ce qui concerne ma sexualité et mon expression. » Ouais, ça, on avait vu ça. « Mais je ne peux pas accepter ou permettre aux gens d'utiliser cette ouverture pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. » Peu après la publication de la déclaration de l'ISO, les danseuses ont réagi lors d'une interview pour le Channel 4. Excuse-moi. Au départ, cela ne fait qu'accentuer ma déception par rapport à ce que je ressentais et la façon dont j'étais traitée, a déclaré Crystal Williams, qui a rejoint l'équipe de l'ISO en 2021. Je pense que le thème général de tout cela est que nos expériences et nos traumatismes n'appartiennent qu'à nous. L'arroser, arroser. Non, l'arroseur, arroser. Ah, les trucs de... Tu sais, ça veut dire que cette phrase-là, c'est le fourre-tout. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, tu peux estimer, je me sens heurté, émotionnellement abusé. Bon, on continue. On a l'impression que cela a été complètement ignoré. La pauvre a été traumatisée. On a l'impression qu'on nous a fait porter des fausses accusations alors que ce n'était pas le cas. Oui, c'était très décourageant de lire et de se sentir négligé. Surtout avec ce qu'elle représente en ce qui concerne l'émancipation des femmes qui sont obèses. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. L'émancipation des femmes, la santé mentale et la positivité du corps. Ah, j'avais bien quand même traduit quand même. Et encore plus de prouver que ce n'est pas le cas.
parce que rien n'a été reconnu dans cette déclaration, ajoutait la danseuse. Lors d'une apparition conjointe avec Crystal Williams sur CBS News, Ariana Davis a quant à elle évoqué ses affirmations selon lesquelles Lizzo l'avait forcée à toucher une danseuse nue dans un club de striptease à Amsterdam. Non, non. Oh non. Le trauma. Elle était forcée à toucher une stripteaseuse. Je suis avec toi. Comment tu t'appelles? Ariana. Ah, ça a été dur. Ça a été dur. Je n'ai rien demandé. Ah oui, elle était là. Je n'ai rien demandé. J'ai dit non à plusieurs reprises, a déclaré Ariana Davis, qui a également rejoint l'équipe en 2021. J'étais absolument mortifiée et tout le monde a éclaté de rire, a-t-elle ajouté. La plainte a été déposée, blablabla, blablabla. Bon, c'est incroyable de voir qu'elles se tirent même entre elles maintenant. Ça ne plus quoi, ça plus la limite, c'est plus donc évidemment je crois pas du tout un mot de tout ce qu'elles ont dit, danseuses. C'est pas seulement quand ça arrive aux hommes. Hein, je sais être juste, impartial. Voilà. Je sais être impartial. Hein, voilà, même quand ça arrive aux femmes. Voilà, c'est non, pour moi c'est des accusations, c'est des fausses accusations, c'est du n'importe quoi. Tout pour l'oseille. C'est ça qu'elles veulent. Tout pour l'oseille. Même à se tirer entre elles. Bah, 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 bah. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à tout ça. C'est pas seulement quand ça arrive aux hommes que j'en parle, voilà. Comme ça tu pourras pas dire ouais, c'est seulement tu parles que quand c'est des hommes. Allez. Voilà, même quand c'est des femmes entre elles, j'interviens. Hop, arrêtez de mentir les filles, c'est pas bien. Voilà. Arrêtez de mentir tout court, voilà, parce que c'est bien comme ça. Pourquoi vous voulez mentir? Ah, l'oseille. C'est vrai. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu connais déjà mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un arnaque, regarde quand même. Et mon groupe des 10%, Zion, ça s'appelle. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir être indépendant financièrement. Check ça. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Sur ton camp.